expliquer, même si elle peut faire un peu sans ouais, quelque chose sur... Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous rencontrer tous et d'animer cette réunion aujourd'hui avec ma collègue Julie. On va se présenter bien sûr toutes les deux. L'objectif de cet atelier, en tout cas le thème de l'employé à l'entrepreneur, les 10 règles pour réussir sa reconversion professionnelle. Donc j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez tous soit un projet d'entreprise, soit vous avez déjà avancé dans votre projet. Donc ce qu'on va faire ensemble, en tout cas voilà l'agenda, on va essayer de s'y tenir. On va se présenter bien sûr, on va essayer de tracer ensemble, en tout cas de vous présenter 10 pièges à éviter, en tout cas 10 recommandations à suivre pour démarrer votre activité, en tout cas passer du statut de salariat à une activité en freelance. On aura un temps bien sûr pour les questions-réponses et puis bien sûr on fera une petite conclusion. Donc ça y est, c'est décidé, vous avez envie de vous reconvertir, vous êtes déjà en phase de reconversion professionnelle vers l'entrepreneuriat, vous vous posez sans doute encore des questions de par où commencer. L'objectif de cette formation, c'est d'explorer ensemble toutes les étapes essentielles pour que votre transition professionnelle devienne une réussite. C'est dommage, j'aurais bien envie de faire un petit tour de table, mais ça va, je pense, prendre trop de temps. Donc on va se lancer tout de suite dans le sujet. Peut-être avant de se d'entrer dans le vif du sujet, se présenter toutes les deux. Je suis Marie Davoy, je suis entrepreneuse depuis maintenant 10 ans avec deux activités. Une première activité que j'ai lancée il y a maintenant 7 ans, mon activité antérieure. Une activité dans le secteur de l'artisanat que j'ai développée au Mexique. Et j'ai rejoint l'aventure Jobtimis, qui est un cabinet de conseil en gestion et développement de carrière, un cabinet de recrutement, un cabinet de conseil RH et plus récemment un fournisseur d'IA sur mesure pour les entreprises. Donc j'ai rejoint Jobtimis il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et nous avons écrit avec donc, Julie et d'autres collaborateurs un livre aux éditions d'UNO au sujet de la reconversion professionnelle, sujet qui nous passionne bien sûr et dont on peut témoigner. Je pense que je suis la première à pouvoir témoigner qu'on peut avoir plusieurs vies dans une vie. Donc je suis très contente de partager ça avec vous. Et Julie, que je vais laisser se présenter aussi. Je vais me présenter, donc enchantée, bonjour, Julie Boissamy. Je suis consultante marketing de métier. Donc, mon métier, c'est de travailler avec les industriels de l'agroalimentaire et des produits d'hygiène beauté. Et à côté de ça, je suis aussi une carrière parallèle dans recrutement. Je travaille aussi donc, pour le cabinet Jobtimis en tant que coach où j'aide nos clients à trouver du travail, à se reconvertir et à lancer leurs projets. Et à côté de ça, j'aide également des étudiants à préparer leurs oraux d'entretien de grandes écoles. Et en parallèle de ça, j'ai écrit des articles de blog pour le blog spécialisé dans le recrutement qui s'appelle Digital Recruiters. Et j'interviens également à l'école de management de la Sorbonne sur divers sujets, sur la marque employeur, le recrutement, l'employabilité, le marketing, etc. Donc voilà, beaucoup de sujets. Beaucoup de sujets et plusieurs vies, presque, on aura envie d'en dire. En tout cas, le sujet qui nous intéresse, c'est bien sûr... la transition du statut de salarié vers le statut d'entrepreneur. Donc, on va commencer, on a mentionné 10 règles pour réussir cette reconversion. La première, ça va être de évaluer vos compétences et intérêts pour un démarrage réussi. Je pense que ce qui est important, et c'est souvent une étape... passe un peu à la trappe, c'est de faire un auto-diagnostic de ses compétences, de ses intérêts. Ça permet bien sûr de mettre en lumière votre valeur ajoutée, vos compétences fortes, là où effectivement vous allez pouvoir transférer vos compétences de ce que vous faisiez dans vos anciens métiers vers vos projets d'entreprise. Et puis ça permet aussi bien sûr de déceler là où vous allez avoir besoin peut-être de renforcement. Donc comment est-ce que vous pouvez faire cette, cette,
auto-diagnostic. Bah, c'est assez simple, vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez vous faire aider, parce que c'est pas toujours évident de prendre un petit peu de hauteur sur son parcours et sur bah, ses forces et ses faiblesses. Donc ça peut être intéressant de prendre un temps pour revenir sur ses expériences passées et pouvoir en tirer des enseignements. C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez aimé faire dans vos expériences passées, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé faire, quelles ont été vos réussites, quelles ont été vos difficultés. Mais aller un peu plus loin dans la réflexion que de se dire bon, bah, j'ai bien aimé la vente, par exemple. Oui, mais pourquoi, dans quel contexte, quelles ont été les missions qui ont été satisfaisantes pour vous. En tout cas, l'idée, c'est comme ça de pouvoir tracer votre identité professionnelle et de bien comprendre là où sont vos forces. C'est aussi intéressant de faire valider ça par des personnes extérieures, des personnes avec qui vous avez déjà travaillé, qui feront très certainement partie de votre réseau aussi après, mais de pouvoir demander leur avis, de vos proches, de vos familles, de collaborateurs, d'anciens collaborateurs, qui vont pouvoir apporter à cette réflexion. Parce que parfois, on a des compétences fortes, mais on ne s'en rend pas spécialement compte. En tout cas, ce n'est pas une évidence pour nous de prendre un petit peu de hauteur sur son parcours et d'imaginer comment est-ce que vous allez pouvoir transférer ces compétences. Je prends des exemples. Une personne qui a été pas prof et va développer une plateforme de tutorat en ligne. Alors bien sûr, là, ça paraît évident qu'il y a des compétences à transférer, mais de creuser ce sujet-là, c'est bien sûr intéressant. Un autre exemple, je ne sais pas moi. Là, j'ai par exemple une personne que j'accompagne qui a travaillé longtemps dans le secteur bancaire et qui veut se lancer dans une activité de coaching pour des personnes qui sont atteintes du diabète. Donc c'est important avant de se lancer, parce que bien souvent on a une idée, on a envie de se lancer corps et âme dedans sans trop réfléchir à comment est-ce qu'on va mobiliser nos compétences. Et puis bien sûr identifier vos intérêts, vos passions, parce que les passions, c'est quand même un moteur fort et qui vont vous permettre de tenir votre route et votre chemin en tant qu'entrepreneur. Et je dis, là, par exemple, j'ai noté écueil et évité. C'est important aussi de distinguer entre, je dirais, les sujets qui vous passionnent et ce qui va pouvoir, bien sûr, devenir une activité économique viable. Voilà. Est-ce que, par rapport à ça, vous avez des questions? On va peut-être attendre la fin. Je ne sais pas, mais s'il y a des questions comme ça qui vous viennent à l'esprit. Non? Ok. Super. Ensuite, une des premières aussi étapes du projet, c'est aussi de sonder le marché et pourquoi, pour justement vous aider à prendre la décision la plus éclairée possible. Et pour ça, nous, ce qu'on conseille, c'est de faire ce qu'on appelle des enquêtes. Donc, mener vos propres enquêtes métier, secteur, etc. Pourquoi ? Pour pouvoir justement connaître mieux le marché, comprendre quels sont ses atouts, quelles sont aussi les faiblesses de ce marché. Comprendre aussi quelles sont les opportunités qui possiblement sont exploitées, mais aussi celles qui sont inexploitées. Pourquoi ? Parce que des fois, il y a des secteurs qui sont inexploités, c'est peut-être pour une raison. Donc, l'intérêt, c'est aussi justement d'avoir le plus d'informations possibles à ce sujet-là. Comment vous pouvez mener cette veille ? En fait, ça peut se faire par plusieurs canaux. Ça peut se faire, par exemple, sur LinkedIn, tout simplement, en vous connectant avec des personnes influentes du secteur, en suivant les grandes entreprises du marché, mais aussi les entreprises qui ont des positions, qui ne sont pas des leaders sur le marché, mais qui sont plutôt des challengers, qui, eux, vont apporter plus d'innovation sur le marché, vont pouvoir être plus agiles. Donc, c'est assez intéressant pour vous de s'intéresser à, justement, ce qui se fait aujourd'hui. Et l'objectif, surtout, c'est aussi de comprendre quelles sont vos forces aujourd'hui sur votre profil et comment votre profil peut avoir une synergie avec votre projet. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez des compétences, vous avez aussi des compétences qui restent à développer. Comment vous pouvez faire en sorte de créer des synergies et d'aller vers une voie où, justement, vous aurez une vraie valeur ajoutée à apporter au marché. Donc voilà, en termes de veille, nous, ce qu'on conseille, c'est LinkedIn, principalement pour justement faire des veilles professionnelles. Les podcasts également apportent énormément de valeur ajoutée.
beaucoup de podcasts qui sont très très niches sur, sur beaucoup de sujets, vraiment énormément de valeur à apporter. Les blogs aussi, vraiment amusez-vous à aller chercher sur Google tous les blogs professionnels du secteur, parce que vraiment il y a de quoi lire. Les communautés Slack aussi, communautés de manière générale, ça peut être sur LinkedIn, mais aussi sur Discord ou n'importe quel autre réseau professionnel. C'est important de justement pouvoir discuter avec des gens, mener vos enquêtes en allant vers des gens, en networkant, en réseautant, en allant justement contacter des personnes qui ont des certains savoir-faire et certaines compétences sur LinkedIn, en les contactant, en leur proposant un café, un rapid call pour leur poser vos questions et s'intéresser à eux. Ça, c'est important parce que ça va vous apprendre justement des choses que vous ne saviez pas et qui vous permettront ensuite de pouvoir faire une décision éclairée sur « Ok, j'ai envie d'aller là. Là, peut-être potentiellement exploiter cette voie-là, mais ici, là je sais qu'il ne faut pas y aller. Pourquoi ? Pour X et Y raisons. » Et aussi, dernier conseil aussi qu'on conseille à nos clients aussi, c'est de rester en veille, parce que souvent, on a tendance à se mettre en veille quand on démarre un projet et après, on est un peu dans le lancement et on oublie un peu, mais c'est ultra important de rester en veille, de rester connecté, de continuer de networker avec justement de manière générale avec tout le monde, parce que forcément chaque marché ça évolue, tous les jours il y a des nouvelles innovations qui arrivent sur tous les marchés, avec encore plus avec l'intelligence artificielle aujourd'hui où il y a des opportunités chaque jour, donc c'est ultra important de ne pas oublier de rester en veille, de faire de la lecture de newsletters par exemple, un réflexe quotidien du matin, même si on a tendance à se dire oui j'ai pas le temps. Si, il faut prendre le temps parce que c'est important et ça a une vraie valeur pour votre projet. C'est clair pour vous jusqu'ici ? Ok. Ouais. Et faire des photos, c'est important aussi pour après communiquer, montrer qu'on fait des choses et qu'on s'intéresse. Élaboration d'un business plan personnel et professionnel. C'est vrai qu'un entrepreneur, bah, avant tout, c'est que c'est un individu avec ses craintes, ses aspirations, ses rêves, ses points bloquants, etc. Donc c'est important d'aligner son projet professionnel avec son projet personnel. Parce que, ça découle aussi de ce travail de bilan, d'autodiagnostic. Parfois on s'imagine où on veut faire ceci, on veut faire cela, mais en fait ça ne colle pas avec notre vie au quotidien. Et donc il faut aussi être réaliste avec soi-même, avec ce qu'on a envie de proposer, avec ce qu'on a envie de donner. Et puis ici, ce dont je voulais vous parler, c'est quand je parle de projection temporelle, c'est que bien souvent pour un entrepreneur, bah, évidemment il y a des enjeux financiers, et bien souvent on quitte son job pour pouvoir être libre, entre guillemets, mais c'est vrai que la liberté a un coût, n'est-ce pas ? Et donc, il faut bien penser à court terme. Donc, en fait, vous allez avoir besoin de quoi pour démarrer votre activité ? Est-ce que vous pouvez imaginer de démarrer votre activité ? Enfin, combien de temps vous disposez, entre guillemets, pour survivre, vivre, en tout cas, sans revenus ? Qu'est-ce qui se passe si votre entreprise ne dégage pas les revenus suffisants, ne dégage pas de revenus sur les premiers mois d'activité, sur la première année ? Donc, important de se projeter, à court, moyen, c'est-à-dire moyen terme, c'est comment est-ce que vous imaginez de pousser votre entreprise sur un plan de croissance ? Quels sont les moyens dont vous allez avoir besoin, et pensez aussi à la maturité de cette entreprise. Encore une fois, quels sont les moyens que vous allez devoir mobiliser ? Si vous êtes dans un environnement concurrentiel saturé, eh bien, ça veut dire, est-ce que vous allez avoir, de quels moyens vous allez avoir besoin pour pouvoir être et rester sur ce marché ? Donc, ça, c'est un point important. Analyse concurrentielle, ben, ça paraît évident, et je reviens sur ce que disait Julie. Bien souvent, on a tendance à être en veille, vraiment à fond au début, quand on est sur son business plan, qu'on veut analyser la concurrence, etc. Mais c'est quelque chose qu'on doit faire sur le long terme. Quel est le paysage ? Quels sont les concurrents ? Quelles sont leurs forces ? Quelles sont leurs faiblesses ? Et vous, comment est-ce que vous allez vous positionner ? C'est des questions, bien souvent, quand j'ai des personnes que j'accompagne dans leur projet d'entrepreneuriat, ça paraît clair, mais c'est pas toujours aussi clair que ça, en fait. Donc le fait de le poser par écrit, d'y réfléchir, de vraiment avoir un travail de terrain, enfin d'enquête de terrain, c'est pour moi un
disais tout à l'heure, alignement vie pro, vie perso, bien sûr, parce que parfois on quitte son emploi salarié pour des questions de surcharge de travail, mais il faut bien se dire qu'en étant indépendant, vous allez porter plusieurs casquettes, vous allez être le seul maître à bord, c'est-à-dire que si vous ne faites pas rentrer d'argent, ben, vous n'avez pas d'argent. C'est aussi bête que ça, mais c'est des choses à prendre en compte et à anticiper. Bien sûr, avant de se lancer dans son projet. Et puis là, j'ai noté aussi les sources de financement, bien sûr vos économies à vous, mais plutôt sur une idée de se dire je vais pouvoir maintenir mon rythme de vie tant de mois quand je démarre mon activité, mais est-ce que je peux aller chercher d'autres financements? Parce que bien souvent, c'est plus facile d'aller chercher de l'argent quand on démarre que quand on a des problèmes de trésorerie. Là, généralement, les portes vont être. Donc les prêts bancaires, les subventions, il y a beaucoup, vous avez dû rencontrer là des acteurs qui proposent des financements à la création d'entreprises, des subventions aussi parfois sur des produits innovants, donc faire vraiment un tour de toutes les sources de financement possibles, c'est bien évidemment important. Je voulais revenir aussi sur un point, sur l'intelligence artificielle. Par exemple, Jotimize a développé sa propre intelligence artificielle, fournisseur d'IA sur mesure pour les entreprises, et on a aussi un outil d'intelligence artificielle qu'on a destiné au grand public, donc vous pouvez tous vous y inscrire. C'est un coach carrière, c'est-à-dire qu'il va vous aider à travailler dans toutes les étapes de votre projet, sur la partie bilan, sur la partie évaluation des compétences. Vous allez pouvoir nous demander de travailler avec vous sur votre business plan, etc. Donc si ça vous intéresse, bien sûr, je vous donnerai. Vous pouvez déjà noter, hein, c'est joptimind.ai. Et je vous invite vraiment à créer un compte, à aller challenger cette intelligence artificielle. Vous savez, ChatGPT, il n'est pas encadré, il ne va pas vous donner les sources. Alors, c'est un outil extraordinaire, hein, bien sûr. Mais il n'est pas, il est formé pour vous donner une réponse convaincante, mais vous ne savez jamais si vous êtes en train de manger de l'information sûre ou si en fait vous êtes en train de gober une information qui n'est pas correcte. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que cette IA, elle est encadrée et formée par Joptimize sur les méthodes et les techniques d'Optimize. Donc vraiment, allez-y, profitez-en. C'est gratuit. Ok. Allez-y. Ensuite, là, quand on commence à rentrer dans le vif du sujet, ouais, après la recherche de financement, qu'est-ce qu'il y a? C'est comment je peux acquérir de nouvelles compétences? Parce que justement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en premier lieu, il faut pouvoir faire un état de, ok, prendre un peu de recul sur son profil et faire un vrai travail où on se pose et on se dit, ok, ça aujourd'hui, ce sont mes hard skills. Donc les hard skills, ce sont les compétences techniques, comme on peut dire. Par exemple, les compétences hard skills, ça va être, je sais gérer un projet, je sais aller chercher des clients, je sais utiliser Google Ads pour diffuser des publicités en ligne, par exemple. Quels sont mes soft skills? Donc, aujourd'hui, une bonne empathie qui permet de justement bien savoir gérer la relation client, par exemple, ça c'est une soft skills. Je sais travailler en équipe, par exemple. J'ai une bonne résilience, ça c'est un soft skills. Ça, c'est hyper important de faire un état des lieux de justement quelles sont les forces et les faiblesses de votre profil. Et surtout, le plus important aussi, c'est de repérer quelles sont les compétences qui vous manquent. Et aujourd'hui, c'est quasi impossible de rester sans compétences manquantes. Pourquoi ? En fait, aujourd'hui, le savoir est vraiment accessible ultra facilement et quasi gratuitement. Avec ChatGPT, dites-moi, ok, dites à ChatGPT par exemple, ok, j'ai envie d'apprendre le code, donne-moi les meilleures justement sources d'informations pour que je puisse apprendre à coder en une semaine par exemple. Bah, ChatGPT peut vous faire des programmes pour vous former ou autre. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Ensuite, pour pouvoir acquérir rapidement de nouvelles compétences, il y a aussi les MOOC. Les MOOC, c'est les Massive Open Classes, où vous pouvez justement acquérir, pareil, ultra rapidement, en l'histoire de 2 jours, vous y mettez en fond le temps d'un week-end, des compétences qui peuvent être à peu près sur tout. Il y a des MOOC aujourd'hui sur l'histoire de l'art, sur la physique, sur le machine learning, sur la mode et le business. Vraiment, vous pouvez en trouver partout. Des sites de MOOC
Accessible, il y a Open Classroom, qui sont français, il y a Coursera, etc. Donc, qui vous permettent de choisir des MOOC des plus grandes universités, de suivre ces cours, et vous pouvez même avoir des certifications qui sont, elles, payantes. Les cours sont souvent gratuits, mais les certifications valent en moyenne 50 euros, par exemple. Donc, c'est utile, par exemple, dans le cadre de quelqu'un qui est en recherche d'emploi, pour pouvoir mettre en valeur, justement, le fait qu'il ait validé un MOOC. C'est intéressant. Et ensuite, vous pouvez aussi vous former en vous faisant des use cases, en vous entraînant, par exemple. Je sais que Google, sur les ads, toujours, qui est une compétence ultra recherchée aujourd'hui, même pour, justement, également donner de la visibilité à son business et générer ses clients, les ads, c'est ultra important. Bah, justement, Google vous permet de vous former vous-même sur des ads, vous donne un budget à dépenser, vous pouvez faire vos premières erreurs, voir ce qui vous coûte de l'argent et voir ce qui permet de, justement, générer des leads qualifiés. Donc ça, c'est ultra important. Et aussi, même chose que pour la veille, c'est hyper important d'acquérir des compétences au début de son parcours, mais il faut aussi savoir évoluer. Parce qu'un projet, bah, on itère. Il n'y a jamais une roadmap qui est faite du début à la fin, parce que forcément, bah, on est des humains, on se trompe, on fait des erreurs, et on a besoin d'en faire, et on a besoin justement d'itérer, de faire évoluer son chemin pour justement trouver au final la voie qui nous correspond et bâtir le projet qui et nous correspond et où on a de la valeur et aussi bah, qui permet aussi d'avoir de la valeur au sein d'un marché et justement qui permet d'aller chercher des clients. Donc c'est aussi important de pouvoir garder cette ouverture d'esprit, de vous dire ok, là par exemple tu parlais de l'intelligence artificielle, bon bah l'intelligence artificielle, comment je peux l'intégrer sur mon projet, ça peut être intéressant si je cherche à lever des fonds par exemple. Là aussi c'est ultra simple, vous n'avez qu'à acquérir des compétences via du machine learning, via des MOOC, en vous entraînant vous-même pour pouvoir justement suivre le marché et justement apporter de l'innovation à votre projet. Et là aussi, cherchez toujours à acquérir des compétences qui ont un lien et qui peuvent offrir des synergies avec votre profil. C'est là justement ce qu'on cherche le plus possible là-dedans, ce qu'on recommande nous en tout cas à nos clients. C'est clair pour vous aussi là-dessus ? Ok. Alors on a il existe des plateformes qui, par exemple Coursera, EdX, Open Classroom, qui vont en fait être une plage de marché où on peut trouver plein de cours en ligne sur plein de sujets différents. Donc vous pouvez aller regarder sur le sujet de la science, de l'histoire, du code informatique, du business, du marketing. Vous pouvez regarder, ok, bah, l'inbound marketing aujourd'hui, c'est quelque chose qui est hyper important et hyper recherché. Qu'à taper ce mot-clé-là et vous pouvez trouver des formations qui sont de manière générale très courtes, qui sont offertes par des grandes universités, qui durent un maximum 2 jours et c'est sous forme de cours en ligne que vous faites à votre rythme. Donc c'est des vidéos, c'est des choses à lire, c'est des exercices à faire en ligne, c'est des essais à rédiger, à envoyer, à faire valider avec vos pairs, des quiz en ligne, etc. à faire sur un rythme de 2-3 jours et qui permettent à la fin de valider si ou non vous avez validé les compétences que vous avez étudiées pendant les 2-3 jours. Donc c'est hyper utile si par exemple il y a une compétence qui vous manque, vous avez simplement à regarder justement plein de vidéos YouTube, aller lire des articles de blog, faire un MOOC et tout cet amas de compétences vous permettra bah, de dire bah, ok, je m'y suis mis à fond et j'ai acquis une expertise sur tel ou tel sujet. C'est plus clair pour vous ou pas? Le MOOC est payant, souvent 50 euros, pas plus.
dépend de votre volonté, de si vous voulez justement le mettre en valeur sur votre profil LinkedIn ou sur votre CV. C'est bien d'acheter la certification, mais souvent c'est gratuit et vous n'avez pas à payer. Open Classroom, tout est quasi gratuit, sauf les formations longues. Et en plus, c'est français, le contenu est de top qualité, vraiment là-dessus, c'est pas mal. Coursera, il y a la langue aussi, il y a des oui, il y a des cours de langue étrangère également. Il y a vraiment tout, hein. Vraiment, il y a tout aussi. Ça, c'est clair. Oui, parce qu'on voit dans des ressources que tu disais, c'est intéressant aussi de les faire et de pouvoir communiquer derrière sur les compétences que vous avez acquises. Et ça permet aussi de vous mettre en réseau avec des personnes qui ont fait les mêmes formations que vous. D'autres choses. Ouais, on passe à la suite. Ouais. Ok, pour poursuivre un peu dans cette lignée, apprendre par l'observation, je pense qu'il n'y a pas de meilleure école, parce que c'est vrai que la théorie c'est une chose, mais pouvoir observer de ce qui se passe concrètement sur le terrain, ça vous donne une idée concrète et non idéalisée du projet d'entreprise. Parce que bien souvent on se fait une idée d'un projet, mais le fait de pouvoir le vivre au quotidien, ne serait-ce que quelques jours, en fonction de comment vous allez le faire, je pense qu'il n'y a pas de meilleure école pour ça. Donc ça va être quoi les stratégies pour pouvoir observer, ça va déjà être des stages, même si c'est sur des courtes durées, c'est très intéressant de pouvoir être sur le terrain, comprendre les rouages de l'entreprise, quelles sont ses difficultés, comment est-ce qu'elle les a surmontées aussi, qu'est-ce qu'elles font bien, qu'est-ce qu'elles font moins bien, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça. Ça, c'est important. Les visites d'entreprise, j'imagine, je ne sais pas si vous voulez développer une application mobile, ça peut être intéressant d'aller visiter une pépinière, un incubateur d'entreprise, de rencontrer des entrepreneurs qui sont sur ce créneau-là et de comprendre finalement leurs défis, leur quotidien, leurs enjeux. Ça peut être aussi à travers les MOOC, donc je l'ai mis après, mais parfois c'est aussi une méthode pour se dire est-ce que vraiment c'est fait pour moi, enfin, de toucher du doigt certains sujets. Vous avez peut-être idéalisé, je sais pas, le métier de customer success, vous vous projetez là-dedans à fond. Et puis, en fait, vous faites quelques formations sur le sujet, vous rencontrez quelques personnes qui travaillent sur des postes similaires, enfin, en tant qu'indépendant, et puis en fait, vous vous rendez compte que c'est pas pour vous. Pour autant, vous n'avez pas passé 2 ans en formation, vous avez eu une immersion très courte dans la vie d'un customer success, et vous êtes formé, ça vous permet de dire, en fait, non, pas aller sur ce terrain. Rencontrer des entrepreneurs, et ça vous pouvez le faire beaucoup via LinkedIn. Alors, c'est vrai que bien souvent on dit oui, les gens ne répondent pas, c'est pas toujours évident d'avoir des échanges. Alors tout dépend aussi de l'approche que vous allez avoir. Bien souvent on a un intérêt derrière la tête, on sait ce qu'on veut, et c'est une approche qui fonctionne moyennement, voire qui ne fonctionne pas du tout. Par contre, si vous vous intéressez à votre interlocuteur, à savoir, à essayer de trouver un point commun avec la personne sur sa page LinkedIn, je sais pas, une formation que vous avez faite aussi, travailler dans un secteur qui vous intéresse beaucoup, il peut y avoir plein de points d'approche, de dire je m'intéresse à votre parcours, je trouve super si vous avez été là, j'aimerais bien échanger sur le sujet. Bah, l'approche est complètement différente et vous risquez de faire des belles rencontres comme ça et de recueillir les aventures des entrepreneurs les uns et les autres, ce qu'ils ont testé, réussi, ce qui n'a pas fonctionné. Enfin, ça vous nourrit et ça vous permet de ne pas faire les mêmes erreurs si vous en avez des que vous avez déjà identifié. Ça vous permet vraiment de vous projeter dans quelque chose de concret. Donc des exemples, il y en a beaucoup. Hein, si vous voulez développer une activité de repas sain dans un environnement qui propose déjà beaucoup de choses, pourquoi pas aller faire de l'immersion dans vos entreprises qui proposent des produits similaires. Vous allez dire, oui, mais si c'est des concurrents, ils ne vont pas me. On va me dire, oui, bien sûr, non, je ne vais pas tout apprendre. Non, mais bien sûr, si vous allez ouvrir une entreprise juste à côté de la sienne, ce n'est pas forcément c'est plus recommandé, mais il y a l'approche, ce que vous allez solliciter. Et puis, bien souvent, ça peut être des partenaires, pas forcément.
potentiellement des concurrents directs. Donc, il faut être stratégique, bien sûr, dans tout ça. Est-ce que vous avez des questions ou des partages d'expérience ou des choses que vous avez faites pour découvrir le monde de votre prochain projet pro? Non? Un stage, moi. Ouais. En fait, c'était plus pour connaître la quantité de travail qu'il y avait à moi. Ouais. Après, je devrais être maison d'hôte. Ok. Là, je vais acheter l'âge de la retraite pour savoir avec l'âge que j'ai si je suis capable de. Ouais. Et alors, la conclusion? Et en conclusion, c'est jusqu'à 2, ça va le faire, mais au-dessus, c'est trop. Ouais. Ça, c'est donc, super. Je c'est super important. Et c'est vrai que c'est des projets qui font un peu rêver de pouvoir ouvrir comme ça un lieu de vie, un gîte, une activité touristique. Sauf que dans les faits, en fait, c'est vrai que c'est une grosse charge de travail. Et puis bien souvent, on est, quand tout le monde est en vacances, on ne l'est pas. C'est des choses comme ça qu'on peut parfois idéaliser, mais dans la réalité, c'est une charge. J'avais besoin de ça. Ouais. Et alors, où est-ce que, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Ah non, j'ai toujours pas. Vous êtes en financement, il faut vendre mon appartement. Et ouais. J'interdis mon papa, donc il y a d'autres priorités pour le moment. Mais en tout cas, vous faites bien d'avoir fait ce que vous avez fait et puis de vous renseigner sur des salons comme ici. Ça prend des informations. Ok. On passe à la suite, ça? Oui. Aussi, ce qu'on recommande, nous, à nos clients chez Jobsimi, c'est aussi de trouver un mentor. Un mentor, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a de l'expérience dans un secteur, dans un métier passé, qui a des réussites aussi, et qui est là pour vous accompagner, justement, tout au long de vos projets, et de faire part de son retour d'expérience, de savoir vous guider sur ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire, les erreurs à éviter, et vous économiser, justement, du gaspillage d'argent, de perdre votre temps et de l'énergie sur des erreurs qui auraient pu être évitées. Donc, l'intérêt d'avoir un mentor, justement, il faut aussi déjà en trouver un, première chose. Comment le trouver? En réseautant. Réseauter, ça peut se faire de plein de manières différentes. Ça peut se faire via LinkedIn, en contactant des gens, en vous connectant à des profils qui vous inspirent et qui vous intéressent. Donc, première chose, n'allez pas les contacter en disant bonjour, est-ce que vous voulez mon mentor? Non. Mais ça doit se faire par, en expliquant, comme le disait Marie, j'ai trouvé votre profil intéressant parce que ça, on a un tel point commun, on est deux alumni de la même école, ou ça peut être, on est passé par la même entreprise, ou n'importe quel autre point commun qui saura, en fait, retenir l'attention et montrer que votre profil est différent des autres. Et ensuite, commencer le réseautage en proposant un rapide call pour apprendre à se connaître, lui poser des questions, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui doit se faire de manière naturelle pour que justement cette personne-là veuille bien vous consacrer du temps. Ça peut se faire via LinkedIn, donc. Ça peut se faire aussi simplement par des événements en physique, comme des salons qui ont maintenant repris depuis le Covid, des événements de networking sur différents secteurs ou autres. Et aussi, il y a également des sites internet dédiés au réseautage, au networking, à la porte d'affaires, etc., qui permettent justement de rencontrer des gens qui peuvent justement vous inspirer. Et aussi, avoir un mentor, c'est bien, mais il faut ensuite un bon mentee, comme on dit. Donc pour ça, en fait, c'est aussi important, ça peut paraître bête, mais il faut aussi savoir bien le mettre en application. Il faut savoir écouter aussi ses conseils, parce que si cette personne vous conseille telle ou telle chose, c'est peut-être parce que justement les dizaines d'années d'expérience, peut-être qu'elle a déjà fait des erreurs dans le passé et que c'est pour ça qu'elle vous recommande de faire telle ou telle chose. Il faut savoir l'écouter, savoir justement peser le pour ou le contre, lui poser des questions, être généreux, justement s'intéresser à elle, parce que justement son retour d'expérience est important et il faut savoir justement en prendre en compte. Et juste pour mon expérience perso, je me suis fait un réseau grâce à Instagram qui est hallucinant. Par exemple, voilà. Ouais. C'est vrai que chaque profession ou chaque projet, par exemple dans le cas de la maison d'hôte, effectivement Instagram, ça peut être un réseau plus il y a plein de choses. Que un produit ou un service qui va être dans le B2B, par exemple, des choses comme ça, peut-être que LinkedIn sera plus approprié. Donc bien sûr, il faut bien cibler par quelle plateforme, par quel réseau. Et je rebondis sur ce qu'a dit Julie. En fait, la preuve dans le réseautage, bien souvent, on a tendance à vraiment tout focaliser sur nous, par exemple, les personnes qui sont en recherche d'emploi, qui envoient leur CV comme ça, un peu en
disant bah, on verra bien ce qui se passe. Généralement, ça ne fonctionne pas et c'est pareil quand vous voulez prendre des informations, vous voulez discuter avec quelqu'un. D'avoir une approche généreuse, ça peut paraître un peu bête hein, de dire ça, mais de vraiment s'intéresser au parcours des gens, c'est quelque chose que la majorité des gens ne font pas. Et donc, quand on a tous un certain ego, plus ou moins grand selon les personnes, mais le fait de s'intéresser à l'autre, à son parcours, à ses choix de carrière, comment se sont opérées ces transitions, valoriser des points de parcours, trouver des points de similitude, etc. Ça permet déjà de créer de générer de la confiance, tout simplement. Et donc, vous serez facilement dans la tête de cette personne, de dire, ah tiens, j'ai discuté avec cette personne il n'y a pas longtemps qui justement va monter un projet dans ta tête, que en fait, c'est vous, en gros, vous lui demandez, je voudrais des conseils sur tel ou tel sujet. Là, généralement, on est tous ultra sollicités, que ce soit par mail, par LinkedIn. Donc, il faut être un peu stratégique et malin, pareil, dans la préparation de son discours, de votre pitch, de présentation, comment est-ce que vous présentez, comment est-ce que vous présentez votre projet. Tout ça, c'est des choses qui se travaillent. Et tout ça, c'est des choses que vous pouvez travailler sur The Team Mind. Je le répète encore une fois, parce que vraiment, c'est une super intelligence artificielle. Donc, on a encadré, qu'on a formé sur les méthodes d'Optimize. Et je vous recommande vraiment de l'utiliser. Oui. Sur le deuxième point, le réseautage. Oui. Un projet, quel qu'il soit, je pense qu'il est toujours un moment à changer les avis, les envies. Moi, ma question, c'est par rapport au profil qu'on doit contacter. Par exemple, si j'ai un ami qui souhaite développer une application dans un domaine de bien-être, par exemple, de préférence, est-ce qu'il doit contacter un étudiant spécialisé qui est en cours de formation, un expert qui déjà, sachant qu'un expert, un mentor, peut être partenaire par la suite, s'il est bon. Voilà. Bah, moi, je dirais, pourquoi se limiter, en fait. Ça peut être aussi intéressant d'aller contacter un expert qu'un étudiant qui va vous apporter une certaine vision. Je pense justement que de multiplier les contacts et les échanges, ça va vous permettre, vous aussi, de vous faire votre propre idée. Ça aussi, bien souvent pas se limiter à dire bon, bah, ça y est, j'ai discuté avec un expert du sujet, terminé, c'est coupé. Parce que lui peut avoir sa vision qu'un autre ne va pas partager. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, ne vous limitez pas, en fait, contacter. Alors, bien sûr, pas s'épuiser à contacter toutes les personnes de la planète qui n'ont rien à voir avec ce sujet. Mais pas tout le monde en même temps, c'est ça. Pourquoi pas en même temps? Pourquoi pas en même temps? Je veux dire, pas de téléphone comme ça. Alors, économiser de l'argent, ben bien sûr, l'argent c'est quand même le nerf de la guerre, hein, n'est-ce pas? La gestion financière en entrepreneuriat, c'est quand même au départ économiser pour réussir. Ça ne veut pas dire qu'il faut sous-budgétiser votre projet, c'est pas du tout ça. C'est donc important en tout cas de bien planifier vos besoins tout au long des différentes phases de l'entreprise. L'importance de l'épargne préliminaire, assurer
une idée de votre épargne, de combien vous allez pouvoir épargner par mois, sans pouvoir, en imaginant que vous n'allez pas vous rémunérer sur les premiers mois, voire sur la première année d'activité en fonction de l'activité et du modèle économique de votre projet. C'est quoi les stratégies, on va dire, pour les communautés? Ça va être déjà de bien budgéter. Pour ça, vous pouvez encore une fois utiliser l'intelligence artificielle. Je pense que c'est vraiment partie du paysage de demain et ça sera vraiment dommage de s'en priver. Donc, budgéter, ça va être penser bien sûr à toutes les possibilités de financement, que ce soit prêt bancaire, subvention, prêt aux jeunes entreprises, prêt à l'innovation. Il y a vraiment beaucoup de choses pour bien se renseigner avant de commencer. Et puis ça va être aussi, bien souvent on a envie bien sûr de tout de suite avoir le bureau super génial, d'avoir ceci, d'avoir cela, d'avoir ça, parce que c'est important de ne pas avoir trop gros dès le départ et de pouvoir tester un peu notre activité. Il y a combien de projets aujourd'hui, ils ne sont pas dans une phase de création, mais des entreprises qui gagnent des fonds et qui sont en fait en cash out assez vite, parce qu'en fait ils crament, je ne sais pas, gueuler 1 million, 2 millions, et en fait c'est mal utilisé, en voyant grand sur peut-être certains aspects. Et en fait, c'est des entreprises qui peuvent ne pas durer. Anticipation des coûts cachés, ça c'est super important aussi. Combien de personnes me disent oh, moi, c'est une activité de service, hein, je n'ai besoin de rien pour démarrer. Il y a beaucoup de. On peut parler de licence, on peut parler aussi si c'est une activité de service, ça veut dire. Vous allez vous déplacer, vous allez devoir manger, vous allez avoir très certainement, on va en parler après, au niveau du marketing, de votre communication. Puis il faut oublier quand on rentre en tant qu'entrepreneur, vous êtes votre propre chef, ça veut dire que vous n'avez plus de congé payé, vous n'avez plus de ceci, vous n'avez plus de cela. Donc c'est aussi important d'anticiper tout ça qui vous permettra de d'envisager sereinement votre projet. Retour d'expérience, question, ça va. Okay. Et justement, Marie en parlait, il faut aussi identifier et atteindre votre marché cible. Pourquoi cibler? Alors c'est tout bête, mais c'est comme si justement, vous ne pouvez pas contacter toute la terre entière pour pouvoir justement générer des clients. Ce serait un trop gros gaspillage d'argent. Aujourd'hui, avec la technologie, on a la possibilité de communiquer en ciblant précisément qui sont nos consommateurs. Donc ça, c'est un intérêt, il y a un vrai intérêt à cibler de manière précise. Donc comment vous pouvez cibler? C'est en définissant vos personas. Donc, qui est votre client idéal? Comment vous pouvez le définir? Vous pouvez le définir si c'est du B2B ou du B2C, par exemple, donc un service qui est offert ou un produit qui est offert aux entreprises ou aux particuliers. Savoir si c'est un homme, une femme, quelle tranche d'âge, quelle catégorie socio-professionnelle, quel type de métier, est-ce que c'est un métier type chef de produit ou un métier où vous avez besoin de contacter les directions marketing et communication. Donc voilà, vous pouvez bâtir en fait un persona où vous bâtissez le profil type de votre client idéal. Donc par exemple, mon client idéal, il s'appelle Corinne, il a 50 ans, elle est directrice marketing pour des grosses entreprises par exemple. Donc comme ça, vous savez un peu comment vous pouvez comment vous pouvez cibler au mieux votre communication. Parce que justement, à la suite de ça, il va falloir adapter votre communication. Et l'adapter, ça va être en choisissant quel canal vous allez activer pour pouvoir communiquer et cibler justement vos cibles. Donc ça peut se faire justement via Instagram, si votre cible est présente sur Instagram. Ça peut se faire via LinkedIn, avec les publicités ciblées sur LinkedIn, ou bien en approche directe par message ou email. Ça peut se faire par les Google Ads, par le SEO, en optimisant votre site internet pour qu'il remonte dans les recherches. Ça peut se faire par le bouche à oreille. En fait, il faut simplement adapter la stratégie de communication qui est justement la plus pertinente vis-à-vis de votre persona et de qui ils sont et de comment on peut rentrer en contact avec eux et ce qui est ensuite le plus efficace en termes de moyens, de budget qui est investi et de temps. Voilà.
Et aussi, nous, ce qu'on recommande aussi, c'est de cibler les niches. C'est vraiment le goal ultime, parce que justement, une niche, c'est pas évident à trouver, mais une fois que vous l'avez définie et que ce marché existe et qu'il y a un potentiel, là-dessus, c'est hyper simple de cibler justement votre niche de manière hyper précise et de pouvoir justement avoir une vraie synergie d'efforts et d'avoir des ciblages qui sont ultra pertinents et héroïstes. C'est clair pour vous là-dessus ? Ouais ? J'ai deux questions, s'il vous plaît. Mm-hmm. La première, c'est quand on parle de la personne, justement, à chaque fois, on choisit un prénom, l'âge, etc. Ouais. C'est pas grave si elle s'appelle Chloé, enfin, Corinne, par exemple. Enfin, jusqu'à quel point de position il faut aller ? C'est la première question. Et la deuxième, si j'ai une activité qui me permet d'envisager potentiellement plusieurs cibles différentes, est-ce que je dois dès le début me lancer là-dessus ? Ou je commence pour une cible très précise ? Un exemple, dans le cadre de mon activité, j'ai des clients qui sont basés en Russie, mais des clients qui sont russophones aussi, mais qui sont basés dans le monde entier. C'est deux cibles différentes parce que les canaux de communication aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes. Est-ce que je dois tout de suite commencer à communiquer via l'ensemble des canaux ou je dois privilégier seulement l'une de ces deux cibles et aller là-dessus parce que le produit, ça va être le même. Ok. Pour la question du prénom et du niveau de détail, oui, c'est ce qui est recommandé. Alors, ça ne veut pas dire que si vous appelez votre persona Corinne, il faut contacter uniquement que les Corinne. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose de précis et qui peut faire ressortir, bah, c'est bête, mais par exemple, l'âge de votre persona. Parce qu'il faut aussi définir une tranche d'âge entre 40 et 50 ans, par exemple, ou la catégorie socioprofessionnelle, par exemple. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très précis, comme si vous étiez vraiment une personne X que vous souhaitiez décrire. Et ensuite, bah, ça vous permet de vous guider et d'adapter votre communication en gardant toujours en tête ce persona ou ces personas que vous êtes définis. Mais c'est clair que ça peut être une tranche aussi, la tranche d'âge. Enfin, oui, bien sûr, dire, elle a 50 évidemment. Ans, mais un persona, généralement, ça se fait en représentant une personne. D'accord. Voilà. Mais bon, c'est assez approximatif. Quoi. Enfin, si on parle, par exemple, imagine une tranche d'âge entre, on va dire, 30 ans et 45 ans, cette persona, on va dire, elle a 40 ans, mais puis après, elle peut... Je suppose qu'il y aura des gens un peu plus jeunes, un peu plus âgés aussi dans le jeu. Oui, mais en restant, justement, il ne faut pas donner une fourchette. Hein. D'accord, voilà, ça ne doit pas être très large, il faut quand même que ça reste. Ouais, sinon, parce que du coup, sinon, ce n'est pas un persona, il faut cibler potentiellement tout le monde et ce n'est pas l'intérêt. D'accord. Puis un persona, c'est aussi par au-delà du prénom, de l'âge, etc. C'est quoi son objectif à ce persona, c'est quoi ses enjeux, qu'est-ce qu'il a montré. Ouais. Sur la question de justement des canaux de communication, nous ce qu'on considère des fois c'est que en fait ce qui se fait généralement c'est qu'on a une idée très précise de ce qu'on doit faire pour réussir, on s'y met à fond et en fait au bout d'un moment on se rend compte que c'est pas du tout ça ce qui marche pour x et y raison, du coup vous avez perdu du temps et de l'argent et il faut que vous fassiez marche arrière pour revenir justement sur un autre canal de communication ou un autre moyen d'aller justement générer des clients. Donc nous ce qu'on conseille c'est justement de tester, par exemple, vous dites j'ai envie de contacter les russophones du monde entier et aussi les russophones qui vivent en Russie. Vous pouvez tester, mais en ne vous investissant pas à 100%, tester en faisant comme c'était de la B-testing, en fait, tout simplement. Tester une petite partie de la population dans le monde entier et une petite partie de la population en Russie. Et en fait, déjà, rien qu'à ce niveau-là, même si vous n'avez pas contacté beaucoup de personnes, vous pouvez tout de suite voir si vous voyez que ça répond deux fois mieux en Russie, vous ne pas laisser tomber le monde et puis vous concentrer sur la Russie, par exemple. Ça vous permet d'itérer et de comprendre. Et dans ce cas-là, tout de suite, tête baissée dans un film. Et dans ce cas-là, justement, c'est pertinent d'avoir plusieurs personnages en tête parce qu'on choisit plusieurs canaux et du coup, on teste avec tel personnage ou tel autre personnage. Et puis voilà, on choisit après, on cible plus précisément. Ouais, et là, du coup, ça se trouve, vous rendez compte que tel est personnage, au final, pas pertinent pour une série de raisons. Ils n'ont pas de budget à consacrer pour le produit ou autre. Plein de raisons, mais il ne faut jamais avoir de certitude parce que justement, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout prévoir et des fois, en fait, il faut juste tester et c'est comme ça qu'on voit ce qui performe au final. Ouais. Merci beaucoup.
plus. Donc, justement, une grande qualité de l'entrepreneur, et je pense que c'est indispensable, c'est sa capacité à s'adapter. Parce que malgré tout ce qu'on peut prévoir, l'entrepreneuriat, c'est aussi des imprévus. Et comme le dit Julie, parfois vous avez en tête, ah, mais c'est sensible, c'est sûr, ça va prendre. En fait, non. Donc, bizarrement, c'est autre chose. Donc, là, vous avez dit, bah, pourtant, c'était pas mon premier service, c'était pas mon premier produit. Bah, vous êtes capable de pouvoir s'adapter, bien sûr, à la réalité, de pas se dire, non, j'avais dit que c'était ce service. Donc, ah non, il s'appelle pas Corinne, je lui réponds pas. Ah, voilà. C'est ça. Je vais pas lui vendre. Corinne, vous étiez pas dans mon personnage. Je vous vends pas. Le coût invisible de l'entrepreneuriat, temps, énergie, sacrifice, je pense que c'est important de ne pas sous-estimer, puisque vous allez être le seul à bord, en tout cas peut-être au début, ou vous allez commencer avec des collaborateurs, ça veut dire que vous allez avoir aussi certaines responsabilités. Et puis comme je vous le disais, parfois des personnes quittent le salariat pour une surcharge de travail et se retrouvent en fait dans une position où vont peut-être avoir encore plus de charges de travail. Donc bien se poser la question de quel sacrifice vous êtes prêt à faire pour développer votre activité, est-ce que c'est jouable ou pas avec votre situation personnelle. Les priorités dans la vie, elles changent, hein. C'est toujours une question de négociation avec soi-même. C'est important, c'est d'être quand même au clair avec ce qu'on a la possibilité, de donner, à quel moment. Donc, important de ne pas sous-estimer la charge de travail initiale d'une entreprise. Là, vous êtes en train de bâtir les fondations, donc chaque effort, ça compte double. Vous avez en tête, je dirais même, vous rêvez de votre entreprise à la nuit, vous pensez stratégie, chaque acte que vous faites finalement, c'est à destination de votre entreprise. Alors bien sûr, vous avez votre vie privée aussi, mais c'est vraiment important, je pense, de se poser les bonnes questions avant de commencer. Donc comment vous pouvez faire, en fait, organiser cette transition du salarié à l'entrepreneur pour que ça se passe en douceur? Est-ce que vous pouvez imaginer d'avoir une phase test? Est-ce que vous avez négocié une rupture conventionnelle et vous avez le chômage pendant X temps qui vous permet quand même d'envisager le début de l'activité sereinement? Si ce n'est pas le cas, est-ce que vous avez un peu d'épargne? Est-ce que vous avez de quoi faire face aux imprévus pour ne pas vous mettre dans des situations de stress, enfin de trop grand stress? De toute façon, être entrepreneur, ben, ça génère du stress, il ne faut pas se lever, vous êtes le seul à bord, si vous ne rentrez pas l'argent, ben, il n'y a pas d'argent. Je dirais que c'est un positionnement qui est vraiment différent de celui du salarié, qui apporte énormément de satisfaction aussi. Hein. Moi, j'ai rejoint l'entreprise Jobtimize, enfin, je prends mon exemple, il y en a beaucoup comme ça en tant que salarié, et puis finalement, je me suis associée à une entreprise, et donc aujourd'hui, je pense client, j'imagine des stratégies, enfin, je n'ai plus du tout cette même posture que la posture du salarié. Même s'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de moins bon, en fait. Hein. Ce n'est pas du tout la question. C'est vraiment de se dire, ben, moi, qu'est-ce qui colle à ma vie? Éviter le piège de la surcharge le plus possible aussi. C'est-à-dire, comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est toujours une question de négociation avec vous-même, en fait. Hein. Je ne sais pas si vous avez des retours d'expérience, si vous avez déjà commencé votre activité, si vous avez envie de partager déjà, comment ça s'est passé pour vous cette transition. Mais ce que je peux observer à travers les clients qu'on accompagne, c'est que bien souvent au départ, il y a une vraie volonté d'être libre, de ne plus avoir de patron, etc. Et en fait, on se rend quand même vite compte qu'effectivement, vos patrons, ça va devenir vos clients, il va falloir aller chercher des clients, vous allez avoir vraiment beaucoup de casquettes. Donc c'est hyper enrichissant, c'est très prenant, c'est hyper enthousiasmant, il y a des moments de grande motivation, des moments où ça peut être un peu plus difficile, il faut être prêt justement à s'investir sans rentrer dans le piège non plus de travailler nuit et jour et qu'en fait vous n'ayez plus de vie. Donc il faut trouver le bon équilibre, c'est pas toujours évident. Ouais. Par rapport à ça, et encore une fois, vous pouvez vous aider de l'intelligence artificielle, je le répète, mais l'intelligence artificielle dont je vous parle, de Timan, elle peut vous aider à programmer, à organiser vos journées, à travailler, à prioriser certaines tâches, à vous donner vraiment un emploi du temps qui vous permet du coup de réaliser ce que vous avez à faire. Bien souvent dans l'entreprise, vous faites du marketing, vous faites de la création de produits, vous avez plein de casquettes, donc c'est pas toujours évident de s'organiser.
rémunération. Donc, on ne peut pas foncer dans ce qui va être le cœur de votre métier, parce qu'il n'y a vraiment pas que ça. Voilà. Question, retour d'expérience. En fait, vous avez déjà créé votre entreprise dans la majorité d'entre vous. Vous êtes dans une idée de projet. Parce que. Non, projet ? Tous des projets. Ok. Ben, comme ça. J'espère que, en tout cas, ça vous aura déjà donné certaines clés. Et là, on est sur les derniers points qui reste tout de même hyper important. C'est de rester positif parce qu'effectivement, l'entrepreneuriat, c'est loin d'être facile. C'est un peu les montagnes russes. Il y a des journées avec des hauts, des journées avec des bas, mais il faut savoir avoir une vraie résilience, rester positif malgré les défis et surtout garder en tête les objectifs qu'on s'est fixés à moyen et à long terme pour pouvoir vous aider à prendre des décisions chaque jour et de garder en tête justement d'atteindre vos objectifs que vous êtes fixés à moyen et long terme pour pouvoir faire en sorte que vous avanciez. Et aussi pour ça, un bon conseil, c'est tout bête, mais c'est de vous entourer de personnes positives. Vraiment, assurez-vous que votre entourage, votre famille, vos amis, les personnes qui vous entourent les plus proches, soient là pour vous soutenir, soient là pour être positives. Et pas « Ah, ça va, c'est pas trop dur ?» Non, parce que voilà, ça on connaît, on sait que ça arrive. Donc assurez-vous justement d'être bien entouré, et même à le dire, hein, et à donner aussi une image positive autour de vous, parce que aussi votre entourage, c'est votre premier réseau et c'est potentiellement aussi votre premier bassin de potentiels acheteurs. Donc il faut aussi justement chercher à donner une image positive, enthousiaste de vous pour que justement vous puissiez, c'est bête, mais donner envie de votre projet, ouais, même si ce ne sera pas forcément vos parents qui vont être vos premiers clients, mais ils peuvent peut-être vous recommander à des amis ou autres qui peuvent peut-être correspondre à votre potentiel de clientèle. Donc n'oubliez pas ce point-là. Ouais. Et c'est vrai, vraiment le poids dans la vente, si vous êtes positif, vous attirez des gens positifs. C'est une histoire de physique quantique, je ne sais pas ce qui se passe, mais franchement, c'est si vous donnez envie, on a envie d'aller avec vous. Si on sent que ça traîne la patte, en fait, oh là là, quelle galère, l'entrepreneuriat, puis ça ne marche pas, puis ça ne marche pas. Bon, en fait, il n'y a personne qui va avoir envie de vous suivre pour vraiment devenir leader en fait, de votre produit, de votre service. Ouais, parce que bon, on a terminé. 2 minutes, c'est pas bon. Et justement, le récap, ça va être assez rapide justement sur ce qu'on vient de se dire. Premier point, c'est justement, même si on a forcément envie de foncer tête baissée et de commencer tout de suite à faire avancer notre projet, il faut déjà prendre le temps de faire une auto-évaluation de vos situations actuelles, qui vous êtes, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses et comment vous pouvez combler vos faiblesses, les compétences qui vous manquent ou autres. L'importance aussi de rester en apprentissage continu parce que forcément, les marchés évoluent. Tout va très vite aujourd'hui, donc il faut savoir aussi évoluer avec le temps. L'importance, comme l'a dit Marie aussi, du soutien financier et émotionnel, savoir justement prévoir un business plan qui soit justement solide et avec le moins de risques possible. Et aussi émotionnellement, de vous entourer de personnes positives et de dégager un état d'esprit hyper positif autour de vous. Et surtout, construisez, développez votre réseau, rejoignez des communautés qui sont investies pour justement... jouer là-dessus, rencontrer des personnes, apprendre de leur retour d'expérience et ensuite vous nourrir votre projet et ensuite l'améliorer. C'est clair.